David Hallyday, ce qui lui manque le plus depuis la disparition de son père Johnny. Le 5 décembre prochain marquera le premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Un anniversaire difficile pour ses fans, et encore plus pour sa famille, toujours divisée par une guerre des clans. Et, alors que la prochaine audience du procès qu'il oppose à ses beaux-enfants a été repoussée à mars 2019, Laetitia Hallyday a décidé de passer ce triste moment à Saint-Barth, afin de pouvoir se recueillir sur la tombe de l'homme de sa vie. De son côté, David Hallyday a décidé de s'exprimer pour la première fois dans la presse. Dans une longue interview accordée à l'émission 7 à 8, il s'est confié sur son père et sur son espoir de convaincre la justice de lui accorder, ainsi qu'à ses sœurs, leur part d'héritage. Mais surtout, il se rappelle avec tendresse des bons moments passés avec ce dernier, c'était un père aimant, qui aimait ses quatre enfants. Et, on regardait des films d'horreur jusqu'à 5 heures du matin, se souvient-il. Aussi, il avoue ne pas comprendre comment certaines personnes osent salir son image en disant que c'est un homme qui détestait ses enfants. Aujourd'hui, il affirme se battre non seulement pour lui, mais aussi pour ses sœurs, Laura, Smé, Jade et Joy. Je demande simplement le droit moral de nous quatre. Que ce soit partagé entre nous quatre. Et ce, même s'il doit se battre contre la mère des deux petites pour obtenir ce qu'il souhaite.